On est ensemble jusqu'à 23h. Je suis ravi d'être avec vous, les amis, avec un invité exceptionnel. Vous allez reconnaître sa voix dans un instant. Dites bonjour, invité. Bonjour. Ah, on va les refaire. On coupe tous les micros. Ouais. Dites bonjour, invité. Je vais peut-être dire bonsoir. Il a une belle voix. Il s'appelle Jean-Pierre Castaldi. On en parle dans un instant. Mais juste avant, je vais vous présenter l'équipe qui est avec nous ce soir. C'est parti. Sylvère, c'est RBA que tu as tout le temps. J'arriverai jamais à m'y faire. À toi alors. Hein. C'est impossible à créer. Hein. Faudrait vraiment être bien décérébré. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Voici le sommaire de ce soir. Tout peut arriver. C'est maintenant. Même si ce n'est pas lui et c'est Google, il va certainement se faire péter la gueule par notre invité une fois son portrait terminé. Il s'appelle Thomas Angelis. Bonsoir, bonsoir à tous. Elle est le rayon de soleil des chirurgiens esthétiques. La seule chose qui n'est pas refaite chez elle, c'est sa chronique, Trina. Il y a encore... Attends, parce que tout le reste est refait. Non, faut pas l'écouter. Règle numéro 1, ne pas écouter Jordan. Non. Oui, oui, une bonne partie, hein. Ça a coûté cher. Le PIB j'en du Bénin au niveau ça, de la poitrine. Si c'était refait, j'en aurais beaucoup plus que ça. On sait pas, c'est du combien ça? 90 B. Non, 87, 80, moins de 90. On voit les connaisseurs quand même. Ah oui, c'est cool. Ah oui, mais en même temps, vous voyez pas l'image parce que vous êtes à la radio, mais en même temps, comme il touche, c'est vrai que c'est plus facile. Oh, mais quelle horreur! Il y a encore quelques minutes, il me confiait que ce lundi qui arrive eh bien, était férié, que pour lui, eh bien, un jour férié, c'est compliqué à gérer car il glande et ça lui rappelle trop le travail. Sylvain de la RAPT qui est là ce soir. Elle n'est pas bien grande, elle n'a pas grand chose à dire, mais elle est la seule à payer pour parler dans l'émission, alors on est content de la voir. Farida est là ce soir. Oui, c'est bio, oui, c'est ça. Comme ta connerie, ça, elle est bien bio, ta connerie. T'as un 85, elle aussi. Un peu plus. Je suis à côté. Moi, ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que chaque fois qu'il dit une connerie, l'autre, là, il y a des nuages qui sautent. Oui, mais il y a de la fumée qui monte. Une alarme de R12, là, à ma gauche. Hein, je sais pas si vous avez entendu, mon Jean-Pierre. Ouais. C'est la fumée, ça explique la bonne ambiance ici. C'est la fumée qu'on prend avant et après l'émission. Comme il me le confiait il y a un instant, depuis qu'il a volé les brevets de Kodak et d'Harcourt, c'est quand même bien plus facile d'attirer la clientèle. Il s'appelle Philippe Dupont, c'est l'autre. J'ai vu son travail. Oui. Ça laisse rêveur. Je vais me faire photographier. Ah, merci Jean-Pierre. Merci. Je lui ai proposé de venir au studio et ça sera avec plaisir. Je vais le faire. Oh, il aime pas les garçons. Tu peux pas t'empêcher. Ça n'a rien à voir. Terrible. Hein. Mais non, mais on c'est comprend. Un grand acteur que je reçois ce soir. Bah, t'aurais l'espoir de faire ta présentation. Ah oui, pardon. C'est un grand acteur. Merci Jean-Pierre. C'est compliqué. Ah ouais, ça va être dur. 7 personnes. 8. 3, 3, 6, 7. 7. 3 plus 3, 6. C'est un grand acteur que je reçois ce soir. Pour moi, il est le gardien de Fort Boyard pour l'éternité. Le Caius Bonus irremplaçable d'Astérix et Obélix. Mais surtout un acteur, et vous allez l'entendre ce soir, au très grand cœur. Même s'il peut paraître méchant, il a une carrure, tout ça. C'est quelqu'un de très gentil. Il s'appelle Jean-Pierre Castaldi. Ouais, ça va Jean-Pierre? Bien, et toi, depuis qu'on a tourné ensemble? Et oui, on a tourné. Je le fais souffrir. Je le fais souffrir. C'était un porno gay à peu près combien? Je te raconte une chose que tu ne sais pas, mais tu sais que ça a été suivi en Belgique sur le web et tout ça. D'accord. Et que je suis arrivé dans une ville qui s'appelle à la frontière, le nom va me revenir. Et il y avait des gens qui vivaient comme au Moyen-Âge et j'étais un héros là-bas. Et j'ai passé la pire soirée de ma vie assis par terre et j'ai bouffé comme on bouffait au 15e siècle. Bah oui, parce que Jean-Pierre Castaldi a fait une série qui s'appelle Dracula et Gondolfi. Oui. C'est Guillaume Saint-Georges qui produit oui, ça. Très et j'ai sympa, très sympa. Ouais, très gentil. Et donc j'ai eu. La façon d'aider les jeunes, tu sais, qui débutent. Les jeunes. Génial. Les jeunes, non, là-bas, pas c'est pas très jeune. Ah, si, c'est jeune. Et t'as quel âge, toi, Philippe? Pas loin de ça. C'est ça. On va se retrouver dans un instant, les amis. On va parler de plein de choses avec Jean-Pierre Castaldi. Alors, il y a des choses sur Fort Boyard, notamment. Il y a de l'actu. On va parler d'actu. Tu nous parleras de l'âme, notamment, je crois. Exactement. Trina. Thomas nous fera un portrait. Sylvère et sa chronique qui sert strictement à rien. Mais bon, on la fera quand même parce que vous savez, c'est dans les quotas. C'est le seul qui a une chronique, mais sans papier. Elle n'est pas encore écrite. Non, il n'en a pas. Il n'en a pas. Voilà, elle n'est pas encore écrite. Il a une bonne mémoire, c'est pour ça. Oui, il a une bonne mémoire. Non, mais il n'y a rien fait. Je l'ai vu sur l'ordinateur tout à l'heure. Parce qu'il est arrivé 3 minutes en avance. Sylvain.
Silvère va parler. Non, parce que j'ai dit ce soir, comme on a très très gros invité, mais un méga gros invité. Bon, il est pas du tout. Il a maigri. J'ai privilégié mes collègues chroniqueurs pour qu'eux puissent profiter pleinement de Jean-Pierre. Mais tu sais. C'était vraiment très intéressant. Silvère, tu sais que tu es dans un hôpital. Tu sais qu'on ne fait pas de la radio. Ce serait énorme en fait. En fait, on lui fait croire, tu sais. C'est pour ton bien, mais en fait, il n'y a pas d'invité ce soir. On est dans ta chambre. Tu sais, tu vois bien les gens blancs autour de toi. Bon, on va se retrouver dans un instant, le temps d'écouter un petit peu de musique. Alors attendez, Jean-Pierre Castaldi a déjà vu le dossier de presse et il a l'œil, hein, parce qu'il y a Ginta qui va venir nous voir dans un instant avec son titre Mais oui, mais non. Et elle est pas insensible. Voilà, hein, il y a de la sensibilité là. Hein. C'est une belle photo. C'est la dame que j'ai vue dans l'entrée. Oui. Ouais, sa photo lui ressemble pas. Absolument que tu lui fasses une vraie photo, toi. Mais je vais lui proposer tout à l'heure. Ah oui, parce que ça sera mieux que ça. Oh, ça, elle est très jolie. Ah, oui, non, oui, jolie. C'est pas elle. Ouais. Déconne pas parce que elle est capable de pas venir à la fin. Moi. Oh ah non, moi je veux la chanson, attends. Moi aussi, je crois que tout le monde veut la chanson. Tous les garçons veulent la chanson là. C'est parti, voici un petit peu de musique et puis après on se retrouve avec Jean-Pierre Castaldi. The Weeknd, Pray for Me. Attention, c'est parti. On va parler de tout ce soir, Jean-Pierre Castaldi. On y va, c'est parti. À tout de suite. Voici Pray for Me, The Weeknd. Vous êtes sur Voltage jusqu'à 23h. On est ensemble. Vous pensiez avoir tout vu ? C'est grillé comme une vieille morue. Non mais vous êtes dans une poissonnerie. Et mon cul, c'est du poisson, non aussi ? Préparez-vous à tout entendre. Tu veux pas mon gros gourdin dans ton cul ? Heureusement que c'était un canular pour la radio. Tout peut arriver. C'est pas vrai ! Si. Oh,
avec Jordan Deluxe. Et vous. Bonsoir à tous, bienvenue sur Voltage 22h08. L'émission commence maintenant jusqu'à 23h. On est ensemble avec monsieur Jean-Pierre Castaldi. Ça va Jean-Pierre? Tout va bien? Très bien, très bien, très bien. Pour l'instant. Je prends des bulles de savon dans la gueule, mais tout va bien. Quand l'émission commence, il y a de la fumée, il y a des bulles qui montent, c'est pour c'est ça à que quoi, Landy. Jean-Pierre. Mais venez voir hein, l'émission en direct sur YouTube, voltage.fr, c'est pas compliqué, vous verrez Jean-Pierre Castaldi qui, on va s'y arrêter deux secondes, a perdu énormément de poids. J'étais très étonné parce que nous on s'est vu il y a quoi, 2-3 ans. 3 ans. T'as perdu combien de kilos, Jean-Pierre? 27. Ouais. 27 kilos. Ah ouais, c'est violent, ça se voit pas tellement. Ah bah moi si, ça se voit. Ah bah si, le visage, sur le visage. Il y a un décollage. Ouais. Non mais c'est super, vous allez pas rigoler. Mais toi tu vas atterrir. Là. non mais franchement c'est super. Là, t'es trop lourd là. Il faudrait que ça se régime, c'est vrai, j'avoue. T'étais à combien, Jean-Pierre? Ah non, c'est interdit. C'est interdit, pas le droit de le dire. J'étais pas loin de Depardieu. Ah oui. Il est à combien de Depardieu? Il est à 2,10. Attention, un immense respect pour ce monsieur, je plaisante, mais c'est le plus grand acteur français. Il y en a deux comme ça, trois, Poulvord, Depardieu, c'est des hors normes. Et il y a qui en tocard alors aujourd'hui? Moi. Non. Mais si, non. Tu sais, les has-been, tu sais, j'ai un copain, il a une phrase extraordinaire, il me fait: Jean-Pierre, tu sais, on est sorti des radars. Oh, il s'appelle comment ce copain? Jean-Claude Dauphin. Mais oui, je crois qu'il connaît bien. Ouais, sais, ouais. Bien sûr. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec l'actu de Trina. Et Trina, tu vas nous parler d'une chanteuse qui revient. Oui, une chanteuse de la fin des années 90, début des années 2000, mais même les plus jeunes la connaissent forcément. À cette époque, elle a vendu plus de 500 000 albums et plus de 2 millions de singles. On écoute un indice et attention, c'est très facile, donc va falloir être rapide. Oh bah tu parles. Ah ouais. Elle te ressemble. Mais pas, ça m'étonne avec les boutons. Hein. C'est vrai qu'il y a un faux air. Oui, c'est vrai qu'il y a un faux air. Ouais, ouais. La bouche. Ouais. Farida est un peu plus grosse, mais. Le titre Je veux chanter. Je rigole, monsieur. Elle est adorable en plus. Oui, pareil. Le titre Je veux chanter pour ceux a été disque de diamant et numéro 2 au top 50 pendant 9 semaines consécutives, ce qui est plutôt rare à l'époque. Et ce soir, au moment où je vous parle, l'âme qui a aujourd'hui 46 ans est de retour sur M6 dans la version célébrité du programme de survie The Island. Voilà, aux côtés de Brahim Zaiba, Tommy Bugsy, Olivier Dion, Camissaire, pour ne citer que. Elle va donc tenter de relancer sa carrière puisqu'elle estime être elle-même une ringarde, mais fière de l'être. Bah, j'avais deux. Jean-Pierre, faut que je vous mette dans la première. Il est énorme parce qu'avoir deux temps d'érision comme ça, c'est extraordinaire. Voilà. En pleine forme ce soir, Jean-Pierre Castaldi. Oui, j'ai des kilos en moins. Et elle pense même que les maisons de disques ne la signent plus et ne signent plus, je cite, les vieilles comme elle. Bah oui. Oh, bah alors moi, je suis un dinosaure alors. Hein. On s'arrête deux secondes, mais Jean-Pierre Castaldi, vous avez l'impression d'être un has-been ? Non mais dans le cinéma, tu peux être et avoir été, comme on dit généralement. Bon, j'ai pu. Au moment où je touchais le Graal avec Astérix, derrière, j'ai pu tourner en France. Enfin, j'ai fait un film avec Harold Bouquet qui s'appelle Travaux, qui a fait 800 000 entrées, ce qui est beaucoup d'entrées aujourd'hui, n'est-ce pas? Bah oui. Et derrière, plus aucun film. Et c'est dû à quoi ça, Astérix? Has-been, il s'était sorti des radars, ils veulent plus, ils t'aiment pas. Mais c'est Astérix et Obélix qui vous a coupé tout? Non, c'est dû, ils passent à autre chose. Il y avait la télé-réalité aussi, vous disiez? Non, la télé-réalité, je l'ai faite 2 ans plus tard pour pouvoir payer mes impôts, ça n'a rien à voir. Oh, il est excellent. Quel honnêteté. On va en parler un peu d'argent, parce que alors ça, c'est pareil, on entend de toutes les couleurs avec votre fils Benjamin Castaldi. Voilà. Et on en parlera. Non, non. Je suis pas venu parler de Benjamin, il va très bien. Chez Hanouna, il est heureux, il est comme tout. Oui, il est pas il a une nouvelle femme. Ah bon? Il a un bébé aussi, non? Non, il n'y a pas de bébé encore. C'est en cours. Bon, on vous fera la surprise à la fin de l'émission. Oh, j'ai cru comprendre. Non, parce qu'en plus, j'ai fait un sketch qui a très bien marché chez Hanouna. Il m'avait une caméra cachée où il m'a fait. C'était un sketch? Un sketch ou une caméra cachée? Un coming out. Ah oui, le caméra. On lui avait fait croire qu'il était gay. Et ça avait fonctionné, vous aviez marché. Ouais, t'as des doutes. Vous aviez des doutes sur Benjamin? Non. Non mais tu sais, c'est pas des doutes, j'appartiens à une génération où dans le temps, il y a très longtemps, les homosexuels, ils se cachaient, enfin ils le disaient pas, et on avait, j'ai eu 2, 3, 4 amis, dont je dirais, pas le nom, enfin il y en a 2, 3, il y en a 2 qui sont morts déjà, mais enfin à l'époque, c'est des mecs avec qui je faisais la bringue régulièrement, c'est-à-dire je sortais dans les boîtes de nuit, etc.,
Et un jour, tout à fait par hasard, je vais au 7, qui était une boîte... Je connais. Oui, enfin, il y a à l'époque. Merci. Oh, et toi, à côté de Benjamin. Et donc, et je vois ce monsieur que je croyais un hétéro notoire, enlacé foudroyeusement avec un jeune homme. Et donc, on se cachait de ces choses-là. Donc, tu peux très bien, quand t'as un père un peu fort, comme moi, un peu, bon, de l'autre bord, hétéro notoire, tu peux aussi avoir peur de dire la vérité à ton papa, ce qui est, je crois, le cas dans beaucoup de familles où ils n'arrivent pas à oser dire qu'ils préfèrent les garçons aux filles. Quoi. Notamment une association qui est pas mal, qui s'appelle Le Refuge. Hein, j'entends beaucoup parler. On les accueillera un de ces quatre. Ils recueillent des jeunes ou même un peu moins jeunes qui sont sortis de leur famille parce que c'est compliqué aujourd'hui d'être gay ou lesbienne pour certaines aujourd'hui, personnes. Aujourd'hui, c'est un peu moins compliqué qu'avant. C'est putain, malheureusement. Et c'est toujours pas facile. Alors là, tu es courant, toi aussi. Moi, je suis pour tout ce qui est d'accord. On a vu les fanfare. Je suis de la fanfare. T'aimes bien la flûte. Oui, c'est ça. Il a l'oreille musicale. Je lui montrer la gosse. Il est meilleur au pipeau quand même. Ouais, là, c'est ça. Enfin, surtout, je vais lui montrer comment on joue de la grosse caisse à la fin de l'émission. Oh, bravo. Eh ben, vas-y, enchaîne après ça. Justement, parlons de grosse caisse. On va parler de l'âme. On finit avec elle puisque c'est vrai qu'on la voit plus trop à la télé. Non mais. Et oui, la dernière fois, c'était en septembre 2017. Elle devait rejoindre Touche pas à mon poste, mais on l'a vue qu'une seule fois déguisée en hibou. Elle a fait un malaise et on ne l'a plus jamais revue. Ah l'horreur. Elle avait d'ailleurs sévèrement taclé Cyril Hanouna sur Twitter en disant qu'il l'avait humiliée. C'est avis, horrible. C'est vrai. La meuf, vrai. On l'a revue chez Hanouna en hibou. En plus, elle a fait un malaise. C'est quand même moyen. Voilà, elle a dit que Cyril Hanouna l'avait humiliée. À mon avis, elle a dit ça en son l'âme et conscience. C'est risqué là. Ça va loin. Aujourd'hui, elle revient donc dans The Island Célébrité. Elle a carrément changé, fini les perruques. Elle a le crâne totalement rasé. Elle a changé. Et elle veut perdre du poids. Alors, on sait déjà que l'aventure ne va pas être facile pour elle parce qu'elle a été littéralement bouffée par les moustiques. On a déjà pu voir dans la bande-annonce qu'elle était défigurée. Alors, elle ne chante peut-être plus pour ceux qui sont loin de chez eux, mais sur l'île avec les piqûres de moustiques, elle aurait au moins connu. Mais l'aventure n'a pas été facile non plus pour Mike Horn, qui a trouvé que la chanteuse parlait trop et qu'elle était saoulante et exubérante. Preuve qu'elle est en pleine forme, qu'elle peut donc revenir sur le devant de la scène et qu'elle n'est pas prête de rendre l'âme. Là, il n'y a que moi qui applaudis. C'est compliqué avec les gens qui font des textes, qu'on leur écrit, parce qu'il faut tout. Non, c'est pas. Tu sais que quand j'ai fait ma télé-réalité en Guyane, je suis le seul qui n'a jamais été piqué par un moustique. Ah bon, c'est énorme. Ils avaient peur. Et putain, imagine, le truc se lève, on est mort les copains. Il va taper dans la moustica, il va tuer toute la famille. Bon, Jean-Pierre Castaldi, c'est aussi, pour moi en tout cas, désolé, mais Fort Boyard. Depuis, on se met la musique de Fort Boyard là, parce que j'adore ce son. C'est produit par qui maintenant, Fort Boyard? C'est Adventure Line, c'est ceux qui produisent Koh-Lanta. Ah oui. Voilà, et donc... La tuile. Ah oui, la tuile. C'est pas la première. Ouais. Ah oui, c'est clair. Surtout que là, je vous donne des scoops. La petite, c'est la qu'elle a accusée. Elle est complètement barge, la nana. Ah bon? C'est pas la première fois que ça lui arrive, déjà. Ah bon? Mais pourquoi ça? D'après des sources bien... de toute façon, elle allait être éjectée du jeu au premier conseil. Ouais, ah bon? Oui. Et elle a des antécédents neurologiques, quoi. Ah d'accord, mais vous venez ça d'où, Jean-Pierre Castaldi? Ah, je suis comme les flics, on donne jamais ses indices. On m'a dit que... Alors attention, ça prend nos conditionnels. Avec non, des cassettes. J'ai pas envie de me faire enlever mon émission. En Belgique, on dit aussi que Morane s'est peut-être suicidé, tu vois, enfin... Donc il y a beaucoup de rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs un peu partout, quoi. Bon, alors on va parler de Fort Boyard deux petites minutes parce qu'il y a quelque chose qui se passe, Jean-Pierre Castaldi, et je voulais qu'on en parle ensemble. Alors on sait, vous avez été le gardien du fort pendant 2 ans, c'est ça? Deux ans. Bien, Et ça s'est arrêté. Et là, brutalement, ils m'ont viré. J'ose le dire, ils m'ont viré. Ah bon? Évidemment. Ça s'est fait d'un coup comme ça, mais sans aucune raison? Mais sans même me dire au revoir d'ailleurs. Ah oui. C'est France Télévisions, et c'est vous, à la mode. Vous pensez savoir pourquoi ils vous ont viré? Je ne veux pas le dire, c'est à la radio. Ah, pourquoi? Donc ça veut dire oui. Avec Félix. Mais vous en foutez maintenant, vous m'avez dit. La prescription? Non, pas du tout, c'est des contrats commerciaux. Donc je me suis engagé à ne jamais dénigrer Fort Boyard.
D'accord, ok. D'accord. Ils peuvent me faire un procès. Donc, non, j'ai le droit de dire qu'ils m'ont viré parce qu'ils m'ont viré, quoi. Enfin, donc, ils m'ont remplacé par Olivier Mine. Ils vous obligent. Ah oui, et alors c'est quoi cette tête là? Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et alors, vous trouvez qu'il vous remplace mal? Non, il ne m'a pas remplacé, il fait autre chose. Ah, d'accord, ok. C'est différent. Mais pas l'air non, très. Non, mais vous souvenez pas de ce que je faisais quand même. Je suis le premier qui a osé engueuler les maîtres quand ils étaient battus à des jeux. C'est vrai, mon souvenir. Ouais. Donc, et j'ai moi qui ai introduit avec Marie-France Brière, qui était ma productrice à l'époque, et donc de France Télévisions. On a introduit des jeunes femmes, des personnages, et ils nous ont reproché tout ça au bout de 2 ans. Qu'on dénaturait Fort Boyard. Et finalement, 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'ils font? Ils refont ce que nous on faisait il y a déjà 10 ans qu'ils nous ont reproché. D'accord. Ils ont ramené des personnages supplémentaires dans le fort, Isabelle, Francis Lalanne, nanana. Et nous on faisait ça. Alors, à savoir que Fort Boyard va supprimer 2 missions, je sais pas comment on appelle ça, 2 cabines, décriées par son sexisme. Hein, l'épreuve des cylindres ne fera plus partie des défis à relever par les candidats de Fort Boyard. Vous en pensez quoi, vous, autour de la table? Vous trouvez ça normal? Non, mais là, on touche le fond de la bêtise. Ouais. On touche le fond de la bêtise, Jean-Pierre Castaldi? Alors l'épreuve des cylindres, c'est le jeu qui consiste à progresser en rampant à plat ventre sur le long des rouleaux mobiles. Et en fait, le problème, c'est qu'en général, c'est des candidates, et c'est vrai qu'on voit un peu la poitrine. La caméra est en face. Voilà, la caméra est en face. Bon, en même temps, c'est fait exprès en même temps. Ça te choque, toi? Bon, on prend des filles, Trina. Est-ce que ça te choque, toi? Moi, ça me choque pas du tout. Ça fait partie de Fort Boyard. C'est fait partie de l'ADN du jeu. C'est une épreuve culte. Bah, va falloir que je regarde. Depuis longtemps, ça existe. Mais oui, mais là, je le vois. Tu te rends compte qu'on est en train de nier que les femmes ont une poitrine, quoi. Exactement, mais ça peut abuser d'un moment. Non, mais après, ça va trop loin, ça va trop loin. Thomas. Il y en a une de temps en temps, quand elle a une très belle poitrine, on la fait mettre, on voit un petit... Oui, mais c'est surtout qu'à un moment donné, il faut aussi décider aux femmes de si elles ont envie de montrer leur poitrine. Elles le font, si elles n'ont pas envie, elles mettent un t-shirt, colleront jusque-là, et on ne voit pas leur poitrine. Exactement. Ça, c'est comme les actrices américaines. Tu les as vues habillées au Festival de Cannes avant l'affaire de... Elles arrivent à moitié à poil avec un filet de pêche. Et après, ça... Mais c'est vrai, hein, il a raison. Ça fait rire le filet de pêche. Ouais, c'est vrai, le sang en l'air. Attraper de la morue. Elles sont sans soutien-gorge. Des fois, elles ont le sang qui déborde du truc. Et tout d'un coup, elles s'étonnent que... Les mecs, ça, il est parti. Elles s'étonnent que l'homme est un rude animal. Elles sont à poil. Non, mais c'est vrai. Donc vous êtes contre, vous comprenez pas non plus, Jean-Pierre Castaldi, que non, ça s'arrête cette épreuve. Il faut respecter les femmes. Attention, il faut être... Le problème n'est pas là, mais c'est quand même un peu bizarre de monter les marches à moitié à poil et puis de dire après, tiens, je suis agressé sexuellement, quoi. Je veux dire, il y a un moment, il faut trouver l'équilibre. En tout cas, cette épreuve va s'arrêter. Et puis une deuxième aussi, c'est bien dommage. Je pense à toi, mon Silver, parce que c'était tourné chez toi, puisque vous savez, il y avait une cellule capitonnée, parfois baptisée l'asile. Eh bien, cette cellule va disparaître. Et je sais que tu gagnais pas mal de pognon parce que tu louais ta chambre. Il y a une comédienne qui a un sketch là, qui est très très drôle, qui joue dans l'autodérision. Alors elle fait tout le prologue de son sketch, c'est d'expliquer que c'est terrible, les machos et tout ça. Et à la fin elle fait, oui mais alors, mais si moi j'ai envie quand même pour avoir le rôle de coucher, est-ce que j'ai le droit? Oui, je l'ai vu, c'est Blanche Gardin. Ouais, c'est ça, c'était génial. Blanche Gardin. C'est extraordinaire parce que c'est le résumé de la situation. Ouais. C'est une des meilleures humoristes du moment. Moi, vous êtes d'accord avec moi? Ah, mais totalement. Hein. Attends, j'adore. Comment elle s'appelle? Blanche Gardin. Blanche Gardin. Oui. Elle est très drôle. Qu'est-ce qu'elle m'a fait rire? On se retrouve dans un instant, les amis. On est avec Jean-Pierre Castaldi. Ouais, Et je vais vous faire écouter quelque chose parce que Jean-Pierre Castaldi, vous ne le savez peut-être pas, mais il a participé à un titre que j'ai adoré, où il pose sa voix dessus. Oh, c'est extraordinaire, c'est de la science-fiction, hein. Ça s'appelle Le Concorde. Oui. Et moi, j'ai trouvé ça fantastique, donc je me suis dit, on va le mettre sur voltage. Ça s'appelle The Sub. Écoutez bien ce titre qui est super sympa. Vous partez un peu dans les étoiles. On n'a pas l'habitude d'entendre ça sur voltage, alors c'est pour ça qu'on s'est dit, ben, on va le passer, on va se faire plaisir. On se retrouve dans un instant, on est avec Jean-Pierre Castaldi. Ouais, tout peut arriver.
23h sur Volta. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Notre invité est Jean-Pierre Castaldi. C'était lui, hein, le son que vous avez entendu, ça s'appelle Le Concorde. C'est très, très, comment ça s'est passé le tournage? C'est l'équipe de Stromae qui a fait ça. Ah, oh, génial, okay. C'est en noir et blanc, c'est magnifique. Le tableau final, il y a une, c'est très très joli, il y a une petite fille. C'est un très beau clip. The Sub, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, The Sub. Alors, ma petite Trina, parle-nous de Jean-Pierre Castaldi, c'est parti. Alors moi, ce soir, je suis heureuse. C'est un grand monsieur qui est parmi nous, vraiment. C'est ici un grand monsieur, 1m80 au moins. Jean-Pierre Castaldi, amateur de voitures. Bon, ça n'a pas marché. Amateur de voitures et de chevaux, et pas que sous le capot. Un homme qui dit ce qu'il pense haut et fort avec cette voix si particulière qui fout clairement la honte à Joe Star. Hein. Et quand on dit Jean-Pierre Castaldi, on pense, tu l'as dit évidemment, à Fort Boyard, mais aussi à Première Compagnie sur TF1 qu'il a fait à l'âge de 60 ans. J'ai bien dit 60 ans. Respect, monsieur Castaldi, hein, faire son service militaire avec 42 ans de retard, sacré record. C'est un homme de télé, mais pas que. C'est également un homme de cinéma et de théâtre qui a écrit un livre intitulé « Au hasard de ma vie ». Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est aussi donc un homme de chanson, et pour ça, appelez-le Paul Martin. Écoutez. Énorme. On tourne encore à Hollywood. Ah oui, c'est joli ça. Et toi, tu es là. Tu te serres dans mes bras. Et tu fermes les yeux. Ce titre s'appelle « Les yeux fermés ». Il date de 1978. Jean-Pierre Castaldi avait changé sa voix rauque pour adopter une voix suave. Ou alors, il n'avait pas encore mué. Donc, si on résume... J'avais pas bu, c'est voilà. Scotch. Hein. Donc, si on résume bien, en 1978, Castaldi a dit « Tu es là, je te serre dans mes bras et tu fermes les yeux ». Et en 2017, il a dit « J'ai baisé tout Paris pendant 40 ans ». Il noterait l'évolution fulgurante. Non, j'ai pas dit ça comme ça. Ça, c'est dans le truc de Cyril Hanouna. Dans la vidéo, je l'ai vu. Ah oui, non, mais j'ai dit pas ça. Jean-Pierre est authentique, il ne fait pas dans la demi-mesure. D'ailleurs, grâce à lui, j'ai une nouvelle expression favorite. Je vais te la démonter jusqu'en février, ta gueule. Alors ça, c'est vraiment magique. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, Jean-Pierre Castaldi est un homme discret qui assiste à des événements qui sont à mille lieues des strass et paillettes. Par exemple, il est parrain d'une cave à vin. Il a été intronisé dans la Jurade princière de Chimay en Belgique. Il parraine une association de Scrabble. Et il a filé son nom à un gymnase de la Creuse. Fatigué là, ce soir-là. Voilà. Au moins, ce genre d'événement, c'est moins médiatisé que Fort Boyard et un peu plus passe-partout. Voilà. Bon, il y en a une qui a marché. C'est en tout cas un homme qui impose le respect. Et jamais je n'aurais cru pouvoir un jour lui tirer le portrait. Mais ça, ce sont les hasards de ma vie. Merci, ma petite Trina. Bravo, bravo, bravo. Alors là, on va passer à quelque chose de beaucoup moins drôle. Il s'appelle Tolma Angelvi. C'est pas lui. C'est pas lui, hein. C'est pas lui. Ben non. C'est Google. C'est parti, on y va. Alors aujourd'hui, nous recevons une pointure dans son domaine, reconnaissable parmi tant d'autres. L'une des personnalités les plus charismatiques. Bonjour Caroline Receveur. Non Thomas, hein, c'est pas Caroline Receveur, c'était demain normalement. Hein. Pardon, C'était demain. Oui oui oui. C'est pas sûr. En fait, c'est un problème parce qu'elle est à moitié enceinte, donc enfin complètement enceinte. Mais, cool. Non, mais je sais Jordan, mais comme tu m'as dit, tu choisis l'invité que tu préfères, et comme demain, bah je veux pas rater la finale de l'Europa League. Alors Caroline, selon Google, vous faites 53 kilos pour 1m69. Bon, faudra mettre ça à jour. Bon, ça vous plaît, hein, pour l'instant. Écoutez, j'en ai rien à foutre. Posez-moi des questions intelligentes, je répondrai intelligemment. Et recommencez votre truc. Bon, d'accord, Jean-Pierre. Alors, quand j'ai tapé votre nom sur Google, j'ai appris que vous avez été le mari de Catherine Allégret, le gendre de Simone Signoret, mais aussi actuellement le père de Benjamin Castaldi. Waouh ! Quelle carrière ! Vous confirmez ? Concentre-toi sur tes paplards, regarde tes notes de merde et fais pas chier les autres. Merde ! Bon, désolé, je voulais essayer l'affect. Hein. Après tout, je pourrais être votre fils. Enfin, au moins votre petit-fils. Puis ça se trouve, je le suis. Hein. Avec toutes les femmes qu'a eu Benjamin, il a sûrement oublié d'en déclarer un ou deux. Oh, quelle horreur ! Écoutez, ouais, je vous dis franchement, retournez à l'école, hein, prenez des cours, lisez les CV, intéressez-vous à ce métier, puis que vous recevrez des gens, parce que je vous vois mal barré, là, quand même. Ok, bon, j'allais y venir justement à votre CV. Google m'a dit que vous avez fait Fort Boyard ou encore l'émission, on en a parlé, Première Compagnie, où vous étiez le doyen avec Jean Roucas. Mais je ne vous mets pas du tout dans le même panier parce que vous, hein, vous avez vite pris la tangente alors que lui, il a préféré l'extrême droite. Oh, non. Ceci dit, c'est un peu réducteur car vous êtes avant tout un acteur avec une impressionnante filmographie. Vous avez notamment joué dans plusieurs films de Claude Zidi,
Arlette, Ripou contre Ripou, Astérix Obélix. Du coup, on peut dire que tout, vous savez tout sur le Zidi. c'est pas mal, elle est sympa. Bon, parlons plutôt de votre actu. Vous êtes en ce moment en tournée avec un spectacle qui revisite le cabaret du Montmartre des années 20. Ça s'appelle La Boîte à Cancan. D'ailleurs, vous devriez engager Jordan. Il serait excellent dans le rôle de l'ouvre-boîte. Merci, mais t'inquiète pas, je les ouvre bien les boîtes. Attention, bah oui, parce que lui, il faut savoir qu'il peut faire aussi des capsuleurs. Oui, auto-reverse. Et tire-bouchon. Bon, c'est simple, dans le milieu, on l'appelle le couteau suisse. D'accord, ok. D'ailleurs, dites donc tous les deux, hein, en plus, ça serait pas la première fois qu'on se donne la réplique. J'ai trouvé un gros dossier sur vous. Chevalier Academy, ça vous parle ? Oui. On écoute tout de suite. Ah non. Chevalier Academy, la télé-réalité qui modernise ses candidats. L'écuyer de luxe est attiré par un seul type de femme. Celles qui ont le front bombé et qui ont les sourcils épilés jusqu'aux cheveux. Les moches, quoi. Le chevalier Castaldi passe à l'action. Je suis un ours. Coupure tendre. Oh mon dieu, on dirait un mauvais porno. Et ben alors, mon JP, je vois que vous esquissez un sourire, ça me fait plaisir. Finalement, vous ne me trouvez pas trop mal. J'ai trouvé doué, assez doué. C'est probablement un des meilleurs qu'on ait en France. Ah bah merci, franchement Jean-Pierre, ça me touche beaucoup. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, vous avez pensé quoi de Trina, de Trina, s'il vous plaît, en un mot. Un boudin hors du temps. Oh non. Après, tu vois, pour une fois, Jordan, c'est pas moi qui dis tout ça, c'est Jean-Pierre. Merci, Thomas Angeli, merci beaucoup. Mon Dieu. Ah bah oui, t'applaudis pas, tu vas insulter là. Déjà, je dis trinois. Oui, non, mais... bon, on a bien compris où elle était, trinois. Bien fait, t'as foncé. Ah là là, Jean-Pierre Castaldi, oui, c'est vrai qu'on a tourné dans une petite série qui s'appelle Dracula et Gondolfi, on en parlait tout à l'heure. J'assume totalement, c'était très très sympa et... Et ce garçon a beaucoup de talent, voilà. Ce garçon, c'est Guillaume Saint-Georges, c'est lui qui a produit. Guillaume Saint-Georges qui a produit avec son argent personnel. Et disons que c'est très compliqué pour les jeunes qui ont des trucs à dire, ils n'arrivent pas à avoir les financements, enfin. Tu vois, il n'y a pas que toi dans la photo que c'est dur. Parce que Philippe en antenne disait oui, c'est dur la photo et tout. Et Jean-Pierre Castaldi qui dort les dossiers. Jean-Pierre Castaldi. Va parler. Oui, bah non, mais je trouve ça bien parce que Jean-Pierre Castaldi, il a de l'empathie et ça, c'est très bien. C'est une belle qualité. Possible. C'est compliqué. C'était vraiment très intéressant. Super, Sylvain, merci. Quand on a encore des bonnes comme ça à nous lancer, bah surtout tu lèves la main hein, ou tu sautes par la fenêtre, c'est la même chose. Jean-Pierre Castaldi. Tu fais les deux. Oublie pas de lever les mains en sautant. Très marrant. Très bon. C'est très marrant ça. On parle un peu d'argent. J'ai de remplacer Thomas. C'est vrai, on parle souvent d'argent, souvent dans la famille avec Benjamin Castaldi qui parle souvent, il dit souvent qu'ils sont fauchés. Aujourd'hui, vous en êtes où là parce que... Non, mais Benjamin, c'est tout à fait différent. Benjamin a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Il était la vedette d'un jeu qui a quand même fait, on l'oublie très souvent, 13 millions de spectateurs. On en a parlé à l'Assemblée nationale. Ah bon ? Bah oui, j'ai été jusqu'à l'Assemblée nationale qu'il fallait interdire ce genre d'émission. Le loft. Bon, d'accord, et puis voilà, il a fait comme tous les jeunes gens qui réussissent très vite et très haut. J'avais expliqué que l'élastique qui montait très haut, mais il repartait aussi bas qu'il était monté. Et bon, quand tu divorces deux fois de suite, ça te coûte de l'argent. Et puis après, dans ces moments-là, tu penses pas que demain ou après-demain, tu vas plus être à la télé, que tu vas plus gagner d'argent et que... Il y a le fisc qui va te rattraper, que tu vas voir ci, tu vas voir là-haut, et voilà. Donc il a eu des gros soucis, mais... Comment vous avez effectué votre rôle de père quand ça a été comme ça ? À ce niveau-là, je peux pas l'aider financièrement, ça sûrement. Ouais, c'était, vous aussi, ça a été compliqué. Non, mais moi, c'est pas pareil. C'est que moi, d'abord, j'ai pas eu autant d'argent que lui, mais moi, j'ai arrêté. Tout d'un coup, je fais plus de cinéma, donc... Sur Vamboria, par exemple, vous étiez payé combien ? Non, ça, je parle pas d'argent, mais j'étais payé beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour gagner ce que je gagnais sur Vamboria, il faut que je travaille plus d'un an au théâtre. Mmh. Et vous gagnez combien sur l'année au théâtre ? Ça, c'est un plaisir. T'as essayé. Et vous avez un con en face de vous. Je rentre dedans. Mais c'était quoi ? L'ordre de 10 000 euros le... Oh oui, 10 000 euros dans l'année. Je gagne un peu plus que ça, 12 000. Ah bah oui. 1000 euros par mois. Non mais combien ? 12 000 euros par mois, à peu près, pour Fourboyard ? Par an, comme tous les acteurs. Tu sais que les acteurs gagnent en moyenne 750 euros par mois.
Ah bon? Plus maintenant avec le 500. Ça dépend quand on est intermittent du spectacle. Aujourd'hui, on a un super régime quand on arrive à faire ses cachets, quand même, qui est génial. En oui, mais en fait, tu sais que la moyenne, c'est 75% des acteurs gagnent moins de 1 200 € par mois. Et sur les 75% qui gagnent 1 200 € par mois, il y en a 40% qui ont un métier à côté pour s'en sortir à la fin du mois. Comment vous en avez fait pour vous en sortir aujourd'hui, Jean-Pierre Castaldi? Ça se passait il y a 50 ans. D'accord. Mais aujourd'hui, comment vous avez fait? Je ne fais pas ce métier. Vous faites plus ce métier? Non, je ne ferai pas ce métier. D'accord. Ou vous ne feriez pas? Si c'était à refaire, vous ne feriez pas acteur? Non. Trop compliqué. Non. Trop dur. Vous feriez quoi? Vous auriez voulu faire quoi? De l'import-export. Ah ouais? C'est ça qui rapporte le plus? Non, mais le métier que vous auriez voulu faire. Artisan. Merci. On vient de poser la question, Farida. Non, mais c'est une passion. Je suis devenu acteur parce que je voulais être acteur. Mais je veux dire que aujourd'hui, nous, on était 150 sur un rôle. Maintenant, ils sont 3000. La sélection est brutale, elle est compliquée. Tu n'as pas le temps de t'installer. Je ne vais pas donner les noms parce que ils défilent à la vitesse des modes. C'est des modes qui durent 2, 3, 4 ans. Nous, c'était un train remonté en hiérarchie. On commençait avec un petit rôle, une phrase, deux phrases, et puis on était repéré. Voilà, on jouait une séquence. On passait pas du jour au lendemain d'une scène de 2 minutes à 1h30 de film. Il faut s'appeler gamin pour tenir un film pendant 1h30. Il faut s'appeler Depardieu pour tenir un film. Il y a des acteurs qui sont pas capables de porter ce qu'on appelle porter un film. Vous en pensez quoi du fait que maintenant votre fils Benjamin Castaldi soit chez Cyril Hanouna? Vous trouvez que c'est bien? Vous trouvez Cyril que c'est... Hanouna est sympa. Quand oui. Cyril Hanouna était dans la merde, mon fils l'a fait travailler quand lui il était à la mode. Et je trouve que quoi qu'on dise sur Cyril Hanouna, c'est un garçon très gentil dans la vie, très avec beaucoup d'empathie, et il a le mérite de la reconnaissance du ventre. D'accord, ok. Donc vous trouvez ça bien, enfin, qu'il soit dans l'émission? De temps en temps, dans ce métier, il y a des gens qui se souviennent qu'on les a aidés, oui. D'accord. Et Cyril Hanouna, on fait partie. Ben, il s'est souvenu que Benjamin, quand il était dans la merde, il lui a tendu la main. Et quand Benjamin était dans la merde, Cyril lui a tendu la main. Qu'est-ce qui s'est passé alors à cette époque-là? Parce que moi, je m'en souviens plus. Ben, à l'époque, Benjamin, grâce à la CIS, produisait pas mal d'émissions. Et il a fait travailler Cyril dans plusieurs de ses émissions. D'accord, ok. Ah, d'accord, ok. Et Cyril, à l'époque, n'était pas du tout le Cyril Tenu d'aujourd'hui. Encore, voilà. Oui. Mmh. Il débutait. De toute façon, on oublie qu'il a démarré son truc « Touche pas à mon poste ». Ils étaient 350 000 spectateurs sur une chaîne. Voilà, donc c'est encore une fois... Alors après, on va cracher, comme toujours en France, dès qu'un mec réussit, on essaie de lui couper la tête. Vous en entendez beaucoup de mal de Cyril Hanouna, Jean-Pierre Castaldi? Moi, j'entends. Enfin, on vous en parle, on vous dit, ah oh, bah oui, non, ça t'embête pas que ton fils soit. Non, mais ils ne savent pas que j'ai entendu parler de Cyril Hanouna avant que Benjamin soit là-bas. Ça fait déjà 2 ans que j'en entends parler dans le métier, je sais ce qu'on en dit ailleurs. Et voilà, je sais qu'on. Vous aimeriez, vous, être autour de la table? Moi, je suis pas chroniqueur, mon grand. C'est il y en a plein qui sont pas chroniqueurs. Non, enfin, je veux dire, cette mode de tout ça autour de la table, c'est pas mon métier. Moi, je suis acteur. C'est acteur. C'est un comédien, disons. Donc, ça m'intéresse pas d'aller faire du raconter quoi. Non. En tout cas, oui, vous aviez. En tous les cas, eux, ils sont très bons. Voilà, moi, je vais être drôle ce soir pendant 1 heure, mais s'il faut que je fasse ça tous les jours, ça. Ce serait compliqué. En tout cas, aujourd'hui, vous le sentez comment votre fils quand vous le voyez? Vous le sentez heureux, bien? Toujours brillant. Toujours brillant. Aussi, parce que les compliments que tu as pris pour toi, c'est à mon fils que j'ai adressé. Ah bon? Oui. Vous avez quelle relation dans la famille? Vous êtes très ensemble, parce que c'est vrai que c'est une grosse famille. Fusionnelle avec fusionnel. Votre fils? Mes deux fils, on est deux. J'ai avec Giovanni aussi. Et ma fille Paola. D'accord. On avait cru qu'en pendant nous, on avait reçu le petit-fils, que vous aviez moins de temps. Petit-fils. Oui, moins de temps pour voir vos petits-fils, que c'était plus compliqué. On avait cru comprendre ça. Oui, mais parce que. C'est l'emploi du temps, j'imagine aussi. Non, j'ai pas l'emploi du temps. C'est quand mon petit-fils Julien a fait de la télévision, j'ai dit à son père, arrête-le, il est pas prêt. Ah, d'accord, ok. Trop jeune. Et vous pensez toujours qu'il est pas prêt, Julien? Non. D'accord. Vous pensez qu'il est pas fait pour ça, en fait? J'ai pas dit ça, il est pas prêt. Il est pas mature. Moi, j'ai un fils de 28 ans, il s'appelle Giovanni, qui travaille avec Pascal Pro, qui est journaliste sportif. Quand il a débuté sur Eurosport, il a fait un stage. Il a fait ses gammes. En sortant de Eurosport, il a compris qu'il n'était pas prêt. Il est parti prendre un an de cours chez mon ancien professeur Jean-Laurent Cochet. Il a travaillé comme un malade. Maintenant, il est numéro 2 chez Yahoo. Il est avec Pascal Pro. Il a bossé pendant 3 ans, 4 ans. Il est incollable sur le fond. Oui, mais après, il a été. Julien, votre petit-fils, il a été sur Énergie 12. Moi, je trouve qu'il s'est pas mal démerdé, sincèrement. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour vous. Il faudrait qu'il fasse quoi, les cours Florent? Il porte mon nom quand même. Oui. Il faut qu'il soit au niveau. D'accord. Et là, pour vous, il n'est pas encore au niveau, non. Julien.
D'accord. Mais il le saura dans combien de temps ? Quand il aura travaillé. D'accord. Vous pensez qu'il travaille pas assez ? Non. D'accord. Bon, en tout cas, on l'embrasse quand même bien fort. Non, mais c'est Julien, vrai parce qu'il est venu ici, c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un de très très gentil. Ça n'empêche pas. J'ai pas dit qu'il était pas bien. Ah, vous avez le mérite d'être honnête, hein. Oui. Mais c'est vrai que c'est dur à entendre. C'était dur pour un petit-fils d'entendre ça de son grand-père. Je l'ai dit très gentiment. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu travailles. Et il a compris qu'il fallait qu'il aille se retrousser les manches. Il a disparu des antennes et là, il est en train de bosser. Est-ce que vous aviez eu le même regard sur Benjamin à ses débuts ? Comment ça s'était passé à ce moment-là ? Mais Benjamin n'était pas du tout le même garçon que Julien, déjà. Benjamin était d'une culture générale, je vous signale qu'il a gagné 3 fois le truc des grands concours. Trois fois de suite, donc ça veut dire qu'il a une culture générale très très large. Ah ouais, yes. Yes. Non, mais c'est bien. Il avait une grand-mère qui ne lui permettait pas de s'amuser à parler d'un truc donc, qu'il n'avait pas lu, qu'il n'avait pas vu. On rappelle le prénom et le nom de la grand-mère. C'est Monseigneur. Ah oui, elle rigolait pas, la grand-mère. Je sais pas qu'elle rigolait pas, mais qu'il fallait pas dire des conneries devant elle, quoi. D'accord. Quand tu parles d'un auteur ou d'un drama ou d'un film ou de quelque chose, t'avais ces deux grands yeux bleus qui te regardaient, t'avais intérêt à avoir bien prêté note avant de parler. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Vous êtes dur dans la vie, Jean-Pierre Casaldi ? Avec les glandeurs, oui. Avec les glandeurs, oui. D'accord. Avec les gens qui travaillent, non ? Ils travaillent pas, ils sont... Vous avez remarqué que j'ai bossé ma chronique, moi. T'as bossé les découpages. Allez, on va s'écouter 2 extraits. Je voulais vous faire choisir. C'est très gentil ce que je vous dis. Aujourd'hui, on a des grèves d'étudiants. Ils veulent pas. On leur explique que s'ils n'ont pas le niveau, ils peuvent pas passer dans l'année supérieure. Et ils trouvent que c'est normal d'aller en seconde année quand on n'a pas été capable de faire la première année. Moi, je veux pas juger rien. Et moi, quand j'avais pas 10 à mon bac, on était recalé. C'était 9,99, tu repassais un an. Pour 2 fautes d'orthographe dans une copie. Pas de rattrapage. Et un jour ou l'autre, t'es dans la vie adulte, quand t'es devant des problèmes, il n'y a pas de rattrapage. Donc si on te prépare pas à ça, qu'est-ce qui va... Voilà. Alors je t'avance pas. Oui, oui. Juste une dernière petite question. C'est chiant là, on va dire une mission sérieuse. Non, c'est Sylvain. Est-ce que c'est pas dû au fait que, pendant, vous parliez d'histoire du redoublement et tout, est-ce que c'est pas dû au fait que dans la culture française aussi, pendant un moment, l'éducation nationale ne faisait plus redoubler les gens justement. On ne redoublait plus la 6e, la 5e, la 4e. Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, un élève qui redouble, ça coûte de l'argent. Mais c'est pas. Non, parce qu'on dit. Elle est con cette question. On dit que c'est traumatisant. Oui, voilà. Traumatisant, dévalorisant. Oui, lui, on sait qu'il n'en a pas sauté des classes. Ouais, mais on l'aime quand même. On l'aime, oui. Il a une culture très générale. J'ai jamais dit qu'il fallait faire des études pour réussir dans la vie. Oui, bien sûr. Ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire du tout, ça. On simplement, s'écoute. Quand tu es à l'université et que tu veux faire un master, tu prétends à un certain degré de culture générale et de. Donc à ce moment-là, te confrontes au monde auquel tu vas être affronté dans ta vie de professionnel. On se retrouve dans un instant les amis, le temps d'écouter un petit truc, hein, vous connaissez bien, ça s'appelle la pub. Et puis après, on va retrouver Jinta. Mais oui, mais non, c'est le live de ce soir sur Voltage. Restez bien avec nous, on revient. C'est pas méchant ce que je dis sur mon petit-fils. Non, t'es pas en antenne. On se retrouve dans un instant sur Voltage, c'est parti, à tout de suite. Tout peut arriver.
Je garantis rien, mais je vais essayer. Alors, hey, Caius Bonus, tu préviens tes soldats et la semaine prochaine, on s'en fait une belle. Tique, tique, tique. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Jean-Pierre Castaldi, j'ai adoré ces moments. Jean-Pierre Castaldi, pourquoi on vous a pas revu dans les autres Astérix et Obélix? On vous a jamais rappelé? Si, on m'a vu dans, avec Poulvord. Oui, avec Poulvord, mais d'accord, mais après ça s'est arrêté. Pourquoi? Moi, j'ai pas la réponse. Hein. Ouais, vous la connaissez la réponse, non? Oui, mais je la donnerai pas. Pourquoi vous voulez pas nous la donner? Parce que voilà, ils sont passés à autre chose, ils ont mis la bande de Canal. Après c'était Junio qui voulait mettre la bande du Splendide. C'est là que. Ils ont enlevé le. Enfin, que Uderzo a refusé le scénario. Et ils ont repris tous les droits de cinéma, ils ont arrêté d'en tourner, ils sont revenus à la BD. Une scène comme Le Code, par exemple, combien c'est payé dans le cinéma? Très cher, là, parce que comme il n'avait pas réengagé dans les films, là, vous osez me demander une phrase, j'ai trouvé que c'était un peu énorme. Quand même. Donc, du coup, vous avez. J'ai matraqué, mais il me l'a donné, le petit. Ah bon? Et quand on matraque et qu'on s'appelle Jean-Pierre Castaldi, là, ça, vous pouvez nous le dire? Non. C'est vrai? Non. Vous pouvez nous donner une fourchette? Une fourchette? Non. Ah bon? Non. C'est quoi ça? Une cuillère. Ah, tiens, une fourchette à deux doigts. Oh, c'est entre 50 000 et 100 000 euros, non, quand même pas. Pour une phrase, non, mais il est ouf, lui. Il a cartonné. À quatre chiffres, à trois chiffres. À quatre chiffres, quand même. Mais pourquoi vous parlez tout le temps d'argent? Parce qu'on a dit ça. Parce qu'il y a du scoop. Vous savez pourquoi j'ai fait cette scène? Non. Parce que je suis un admirateur de Poulvord, que je pensais que j'allais tourner cette scène avec Poulvord, puisqu'on m'a dit qu'il faut refaire la scène. Sauf qu'on n'a pas refait la scène avec Poulvord, moi j'ai fait que le contre-champ. Ah oui, sans Poulvord. Oui. Ah d'accord. Ah merde, voilà. Ah, vous avez même pas tourné avec lui? Non, alors. J'ai pas tourné avec lui. Mais je ne l'ai fait que parce que je voulais rencontrer Poulvord, que j'ai rencontré autrement. Oui, bien d'accord. Mais je voulais jouer la comédie, et je voulais me payer, parce que c'est pas l'expression, voir jouer l'œil dans l'œil comme... Vous offrir ça, quoi. M'offrir de jouer avec Poulvord comme j'ai joué avec Gabin, avec Marcello Mastroianni, en fait, tous les grands acteurs avec lesquels j'ai joué. Je pense que c'est un grand, grand comédien. Oui, c'est vrai. D'accord. Et aujourd'hui, ben oui. Et du coup, j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir le jouer avec lui, quoi. Bah, on comprend. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas, qu'on ne voit pas plus au cinéma, parce que vous êtes un vrai acteur charismatique, et pour moi, pas has-been. Enfin, bon, quand j'ai dit tout à l'heure, il y a Jean-Pierre Castaldi, parce que au bout d'un moment, d'abord, j'ai changé. J'ai un certain âge, j'ai changé d'emploi, je pourrais plus jouer Caius Bonus. Maintenant j'ai les cheveux blancs, donc il faut que les gens ils te voient. C'est pour ça que je travaille là au théâtre sur certaines pièces. Je suis un monsieur de 70 ans, je suis plus un mec de 56 ans. Un petit peu plus, non? 74. Ah, je vais avoir 74. Ah oui, le 2 octobre, hein, c'est ça? Le 1er octobre. Le 1er octobre, pardon. Ah, ça arrive, balance alors comme moi? Oui, un sans danger. On est copains. Ah, génial! Il sait jamais prendre de décision. Mais quand il négocie les cachets, vous inquiétez pas, il sait prendre la décision. Jean-Pierre Castaldi. Bon, j'espère qu'on va vous revoir dans de nouveaux films. Ce métier n'est pas que de l'argent. Voilà. C'est sûr, c'est avant. Bah non, la c'est passion. Sûr que, ah bah non, nous on le fait pas pour ça, c'est sûr. Là, je joue un spectacle en Belgique. Je joue un spectacle en Belgique pendant un an. C'est pas qu'une affaire d'argent, il y a aussi du plaisir, il y a beaucoup de plaisir. Alors on le sait parce qu'on vous voit faire plein de choses, du cinéma amateur. Enfin, vous êtes vraiment quelqu'un de très très. Vous donnez quoi. Bien, dans Godolphy, c'est pas là que j'ai ma vie. Quoi. Non, bien sûr, les petites productions, il est là aussi et il se fait pas payer très très cher. Allez, c'est parti les amis, on va se faire le live de Jinta qui est avec nous. Je te laisse t'installer, ma Jinta. Merci. Jinta avec son magnifique accent. En live. Oui, c'est appelé une PBO, hein, donc ça veut dire qu'il y a juste l'orchestre et c'est elle qui fait tout derrière. On est ensemble sur Voltage maintenant. Le single s'appelle Oui, mais oui, mais non, pardon, excusez-moi. Et c'est le premier single qui est sorti le 6 avril. On y va? C'est parti? On est prêt? Alors c'est parti, on envoie la musique et on est ensemble avec Jinta. Mais oui, mais non, vous êtes en direct sur Voltage. Ta voix résonne, j'en ai mal à la tête. Tu me fais des reproches pendant que je fume ma cigarette. Je suis en face de toi, au fond de moi, je suis pas là. Mais ça nous verrons, tu as raison. Mais oui, mais non, mais oui, mais non. Insupportable, je t'attends pendant des heures. Plus aucun signe de toi, tout mon esprit est en désordre. Tu me fiches en fond la paix, pourquoi je pleure, je ne sais pas. Dangereuse liaison, le cœur a ses raisons. Mais oui, mais non. 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 Gotta fly out and die out and die.
contradiction. Je mélange, je flotte, je coule. C'est étrange, je m'en fous, je me lance. Ce monde est fou. Mais oui, mais non. Mais oui, mais non. Mais oui, mais non. Mais oui, mais non. Mais oui, mais non, non, non. Parapaya, da, da. Et j'avance dans la vie, prise dans ses rouages. Je garde les pieds sur terre, tête dans les nuages. Mais oui, mais non, j'en ai mal à la tête. Mais oui, mais non, pendant que je fume ma cigarette. Mais oui, mais non, au fond de moi, je suis pas là. Mais oui, mais non, tu as raison. Mais oui, mais non, ta-da, ta-da. Ta-da, ta-da. Ta-da, ta-da. Tu as raison, mais oui, mais non. Jinta! Merci! C'est la fête! Merci beaucoup, Jinta. Rassis-toi merci, juste à côté de nous. Franchement, ça, c'est dur à faire. Franchement, mais, pourquoi c'est dur à faire? Moi, tu me demandes de dire un texte comme ça, j'y arrive pas. Hein. Franchement, c'était vraiment super sympa. Merci beaucoup. Oui, merci à vous, merci va... pour l'invitation. Comment il s'appelle l'auteur de la chanson? Il y a un nom? Le parolier? Donc c'est moi, c'est Johan Czerneski. Ah. Voilà. Oui, il y a une prise de contact. Oui, ah, oui, Farida. Et le titre c'est Maybe Mais Non. Mais oui, mais non. Mais oui. Et Bibi, il est où? Non, là, là. Mais oui. Mais oui, mais non. Mais oui, mais non. Mais oui, mais non. Calmez-vous, j'aurais dû dire que c'est mais oui, mais non. Non, c'est en miaou. Miaou. J'ai une question, Jordan, pour mon kiff, parce que j'ai surkiffé la série Casa des Papel. Oui. Est-ce que tu pourrais pas nous faire. Tu connais la chanson Bella Ciao? Ah, Bella Ciao. Bella Ciao. Est-ce que tu pourrais pas nous faire un petit truc, non? Tu la connais ou pas? Je la connais pas trop bien. Un petit peu. Tu peux faire du yaourt. Ciao Bella, ciao, ciao, ciao. Ah oui, là, oui, c'est vraiment non, court, quoi. D'accord, ok. C'était joli, moi, je trouve. J'ai vécu n'importe... en Italie, mais j'ai pas vraiment la culture italienne. On s'est fait la tricheuse. Non, j'ai vécu là. J'ai vécu en Milan, à Rome. Les pizzas, on sait les faire en France ou pas du tout, les pizzas? Absolument oui. Ah, on s'est fait aussi. Absolument oui, on a eu un dîner italien ce soir. C'était bon. Alors, on sait faire les pizzas à Paris. Mais oui. Pour les pizzas. Ouais ah, c'est bon, oui, c'est pour les pizzas. Calme-toi. Silver, c'est mes noms. C'est par pas contre. Des restaurants. Je vous rappelle qu'il passe sa vie à Pizza Hut, lui. Hein. Pour lui, c'est une grande. Mais lui, pizza. Il y va pour les olives. Exactement. Jean-Pierre Castaldi était avec nous ce soir sur Voltage. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour la suite? Vous avez perdu plein de kilos. Vous êtes tout beau. Ne pas les reprendre déjà. Oui, c'est vrai. Bah, disons, un petit comeback au cinéma. Ça vous fait plaisir. Oui. Ouais. Passer des coups de téléphone. Il y a des choses qui sont prévues non, ou pas? Non, oui, il y a des choses qu'ils ont prévues, mais on n'en parle pas parce que vous savez, on est tous superstitieux dans ce métier. Voilà, donc on n'en parle pas tant que c'est pas signé, tant que c'est pas fait. Tant que c'est pas signé, mais en tout cas. J'ai du boulot là pendant encore un an, donc je vais enchaîner avec une pièce de théâtre que je crée à Bordeaux qui s'appelle Sacrée Famille. Et juste derrière, je suis en pourparlers pour une autre pièce et j'en ai deux autres qui m'attendent. Le théâtre, on vous a vu aussi dans une scène de ménage, c'était assez drôle. Oui. On est avec Marion Gamme, ouais, j'ai fait une tournée il y a un an avec elle. Ouais. J'ai fait une tournée avec elle il y a deux ans. Ouais. Au frais de la princesse, ça s'appelait. ça vous plaît. Merci beaucoup, Jean-Pierre Castaldi, ouais c'était tout petit arrivé ensemble. On recevra alors Caroline Receveur peut-être en fait c'est encore elle est enceinte hein, mais vraiment c'est bon alors donc c'est un peu elle compliqué va pas tarder hein, voilà je sais pas trop c'est compliqué voilà en tout cas il y aura quelqu'un avec nous demain soir je vous le promets. Jinta merci d'être venu sur l'antenne de Voltage merci. Avec notre Jean-Pierre Castaldi je vais vous laisser vous échanger vos numéros de téléphone pourquoi pas oui pour les tâches mais je le fais pour vous non je vais le faire avec le photographe ah oui Philippe Dupont on va aller faire des photos allez faire des photos avec Dupont ouais exactement allez les amis on se retrouve demain à partir de 6h avec les amis du matin, l'équipe du matin, Esther et Jérôme. Et puis à partir de demain soir. Je préfère l'original à la photo. Ah oui, il préfère. Oh, il te préfère. Très gentil. Oh là là. Voilà. À demain, les amis. Merci. C'était tout. Ouais.